Allez, donc troisième vidéo et dernière partie sur le multifruit. Alors, à l'heure actuelle, je suis allé voir là où je l'avais téléchargé sur KingMod. J'ai vu qu'il l'avait enlevé. Enfin, je ne l'ai pas retrouvé sur KingMod, là, le multifruit. C'est dommage, parce qu'en fait, j'aurais aimé voir un petit peu les commentaires qu'il y avait dessus. J'ai pas lu les commentaires. De toute façon, je ne sais toujours pas si ça marche ou si ça ne marche pas. On a vu qu'on avait rajouté donc les cultures dans le Giant Editor, c'est-à-dire que sur la carte, le multifruit est intégré. On a intégré, on peut mettre les cultures au sol. Voilà, faire lancer les cultures. Maintenant, il faut savoir si on peut les récolter. Et si on peut réellement les poser au sol. Déposer les cultures au sol. Et ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, on va finir l'installation. Donc, on va retourner dans MapXML. Dans MapXML, vous avez les additional files. Voyez. Donc, les tension belt, c'est ce que je vous ai. Les tier track material holder. Map target marqueur. Fill plane material holder. Donc déjà, est-ce qu'on a un fill plane material holder? Ça, c'est pas dit. On va aller. Je crois pas. Normalement, si on a un material fill plane holder, un fill plane material holder, c'est pour pouvoir faire l'état en jeu. D'accord. Il se trouve en fill plane. On va aller voir ça. Est-ce qu'on l'a? Normalement, c'est censé se trouver là-dedans. Bah, autant dire qu'on l'a pas. On a les effets. Ça, c'est les effets pour couper. Effect XML. Ok. Allez, on va finir l'installation. Les effets. Les effets, on les a rentrés. Alors, on va aller dans nos fruits. On a l'effet qui est là. Les HUD qui sont là. Tiens, je suis en train de me demander, est-ce qu'on a corrigé l'adresse des HUD dans les fils type sur la première vidéo? J'ai un doute. Voyez? Donc, on va rouvrir les fils type. Je suis en train de me poser la question. Pour moi, c'était cette nuit, donc je ne sais plus. On va vérifier ça. XML, les fils type. On va retourner sur les ajouts qui sont là. Non, ça, c'est les productions. Nos ajouts sont beaucoup plus bas. Voilà, ils sont là. Oui. Ok, j'avais modifié. Voilà, oui, non, c'est bon. Les odds, c'est. Voilà, IHUD, c'est bon. Ok. Donc là, ici, vous voyez que les effets sont en data. Ça, c'est le.
Alors, le motion pass effect. Allez, contrôle F, on va regarder si on a ça là, suivant, parce que ça ne me parle pas. Si oui, on a un motion pass effect. Donc, on va aller le mettre en. Alors, alors, ce motion pass effect, c'est dans effect. Et là, il l'a mis dans map et dans effect. Donc, en fait, on va rajouter. Alors, je vais refaire comme j'ai l'habitude de faire. Je vais dans map. Je fais ça parce que moi, je l'enregistre ici. Je fais copier. Et on va faire. On peut faire ça là, mais on va faire ça directement ici. On va faire coller slash. Ici, on va mettre map. On est OK. Map, new fruit, effect, motion, pass effect. Et ici, on va copier. Et on va faire ça. Map new fruit effect.xml. Putain, c'est nul. Il manque le matériel holder, quoi. C'est con, c'est pas complet. Peut-être pour ça que je l'ai pas retrouvé sur King Mode. Il a. Voilà, c'est là-bas que je l'avais téléchargé. Il a dû le virer parce que bah, c'était pas complet. Il a dû y avoir des mauvais commentaires. Je sais pas. Ouais, voilà. Ou après, il y en a. Enfin, voilà. Mais ouais, on peut pas baigner au sol, ça c'est sûr. Donc là, on a fait ça. Le bal, il est mis. Le map effect. Maintenant, on va aller rajouter des véhicules. Donc ça, c'est dans le mode desk. On va rajouter les véhicules. Donc, on va s'occuper des véhicules. Donc, on voit que véhicule. Voilà, je les ai rajoutés là. Donc là, ici, on a les véhicules. Donc, on va aller ouvrir le mode desk. On ouvre le mode desk. On a le store item qui est déjà là. On va faire des entrées. Entrée. Voilà. Je vais faire comme un petit peu j'ai l'habitude de faire. On va copier ça. Tac, copier. On va aller dans le mode desk, on va faire coller. Et on va mettre ça pour les véhicules. On reprend. Alors. Allez, on copie tout ça, on avance, copier, on va dans le mode desk, on colle, voilà, merde. Donc le store item pour les véhicules, voilà, on enregistre.
On va faire un changement de titre. Voilà, donc je suis obligé de couper la vidéo là. Et en fait, je viens de faire un cut, je vous explique tout de suite. Parce que j'ai tourné cette vidéo ce matin. Et là, je suis en train de faire le montage. Et bah, tout simplement, tout ce qui est les marques, les new catégories, j'avais pas encore traité ça. Je m'en étais pas encore. Je savais pas comment ça marchait encore sur le 22. Et en faisant le montage, parce qu'à la fin, vous avez, je vais laisser après le reste de la vidéo pour que vous voyez bien comment j'ai fait. Il n'y a rien qui marche au niveau des new catégories, ça ne marche pas. Comme c'est présenté là, dans la trame d'installation, ça ne marche pas. D'ailleurs, le change mode title, ça n'existe plus. Je vois même pas ce que ça fout là. Donc, la marque, ça, pas de problème. Alors, on en est là. Donc, le change mode title, là, on supprime. Ça sert à rien. On va prendre Brands, qui est pour la marque. On va faire copier. Alors ça, c'est Tim, c'est le créateur original de mince du multifruit, hein, du multifruit où ça a été pompé. Je pense que ça a été retiré de King Mode. J'en sais rien. J'ai pas pensé à demander à Marlon. Je voulais aller sur son live ce soir pour lui demander, mais bon, voilà. Je pense qu'ils ont retiré ça parce que ça fait, c'est un peu comme si on avait piqué à quelqu'un le multifruit. Je ne sais pas qui l'a posté. Enfin bon. Donc ça doit être ça doit être la team qui a créé ce multifruit. Donc ils ont créé leur marque. On va faire copier. On va copier. On va aller dans le mode desk. On va se mettre en dessous de extra source et on va faire coller. Voilà. Donc là, on a rajouté la marque. On va faire deux entrées. Donc maintenant, nous avons les new catégories. Les new catégories. Pour que ça marche, une new catégorie, il faut un script LUA qui s'appelle catégoriseur.lua. Sans ce script, la nouvelle catégorie ne marchera pas. Donc, si vous avez déjà téléchargé ce mode, si vous le téléchargez sur un mode, sur un site de mode, parce qu'on le retrouve sur plein de sites de mode, voilà. Il faut que vous débrouillez pour trouver un script catégoriseur.lua. OK? Donc, avant d'aller copier ces lignes, d'ailleurs, qui sont même pas complètes, parce que donc il manque la nouvelle catégorie pour le Red Cabbage et pour le Cabbage normal. D'accord? C'est même pas fini, c'est du travail de sagouin. Même le mec qui a pompé le mode, il a fait un travail de sagouin quand il a. Et puis vous verrez, il y a d'autres erreurs. Voilà. Vous verrez après dans la suite de la vidéo, il y a d'autres erreurs. Donc dans script, voilà, j'ai rajouté un LUA, catégoriseur.LUA. Voilà, donc on va dans le mode desk, on l'active. Donc pour l'activer, vous tapez comme ça. Moi par exemple, il est dans script. Donc l'extra source de file, c'est script slash catégoriseur.LUA. Maintenant, on peut copier, pardon, ces lignes-là. Et uniquement ces lignes-là. Le new catégorie, cabbage, véhicule, c'est pas fini. Il faut rajouter son title, son type et son image. Hein, d'accord. Et il faut faire la même chose pour le red cabbage. Mais vous allez, enfin, vous verrez ça mis une erreur, mais vous pourrez quand même les retrouver.
En fait, ils vont se mettre en divers. Voilà, vous les retrouverez dans divers. Dans le misc, dans le divers. Le jeu le met automatiquement divers. Voilà, mais voilà, il faut. Là, j'ai pas envie de me faire chier, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai passé au moins 5-6 heures dessus pour arriver à faire marcher le multifruit, et vous verrez à la fin ce que j'en pense. Donc là, j'ai vraiment pas envie de m'emmerder. Je copie ça comme ça. Vous copiez ça comme ça. Donc vous le rajoutez là. Vous faites coller. New catégorie. Hop, on va le mettre un petit peu en décalé. Voilà, nouvelle catégorie. Et là, ça marchera très bien. Vous enregistrez. Voilà. Ensuite, je voudrais revenir. On va aller dans les XML. On va rouvrir la map par rapport au début de la vidéo où je vous ai mis enfin, un petit texte en noir. Par rapport au. Alors, où est-ce qu'il est déjà? C'est là. Par rapport au Fill Plane Material Holder. Il faut savoir que dans FS 19, c'était lui qui gérait l'état. D'accord? Il gérait l'état. Je vais vous en ouvrir un, vite fait, pour que vous voyez. Tiens, ben là, dans la map que je faisais pour le 19, que j'ai jamais pu finir, parce que j'ai eu les yeux trop grands, plus grands que le ventre, avec ma 4X. Donc il va se trouver dans Map, New Fruit et dans Fill Plane. Et dans Fill Plane, voilà, vous avez un Fill Plane Material Holder. Donc on va l'ouvrir. On va ouvrir ce. Ah non, bah oui, bah je l'ouvrais avec la 902. Ah, ça va peut-être marcher. Peu importe. Même si ça met des erreurs, c'est pour que vous compreniez bien. Vous voyez? Bon, ça marche pas, c'est normal. Wheat, barley, grass, windrow, compost, quand on voulait rajouter le compost, le clover windrow, le biomasse, le carotte, oignon, rye, dry lucerne, lucerne granulée, les pommes, le tabac, tout ça, c'était là-dedans. Ça, c'était pour générer l'état. Voilà. Il y avait tout ce truc, toute cette trame-là. Donc là, pour le retrouver, on va aller dans Data. On va aller dans Data Map. Non, c'est Data Fill Plane. Foliage Fill Plane. Voilà. On va aller. Et donc là, vous avez le Fill Plane Material Holder. Et vous allez voir. Il n'est plus du tout comme avant. Vous n'avez plus qu'un Fill Plane Material Holder unique. Et il est généré par un matériel utile on create. Alors, voilà, j'ai mes compétences ont des limites. Si ça influence encore sur l'état, je vous le dis à l'avance, ça va faire l'état. Là, dans l'état actuel de l'installation du mode, on fait l'état. Voilà, il n'y a aucun souci. On fait l'état. D'ailleurs, vous en êtes un petit peu douté, puisque c'est dans la première vidéo, je crois. J'ai fait un aparté parce que on ne pouvait pas reprendre Godet. Voilà, donc bon, voilà, les tas sont bel et bien générés, mais ce fichier ne gère plus totalement l'état. Voilà, je pense que c'est dans Effect, je pense que c'est là que les tas sont gérés, mais bon, voilà, mes compétences ont des limites. Voilà, ça marche comme ça. Voilà, allez, maintenant je vous laisse et on va reprendre, je ne sais pas exactement, mais on va reprendre et on va suivre toute la trame encore que j'ai commencé. Et on va finir la vidéo, vous allez voir ce que je pense du mode. Voilà, à la fin de la vidéo, vous verrez,
ce que je pense du mode et tout le reste. Voilà. Allez, bonne fin de vidéo. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. Hein. On va aller voir ça tout de suite. Toutes les erreurs qu'il peut y avoir. Allez, carré, oui, on va voir ça. Oh putain, il y a du rouge. Oh putain, il y a du rouge. Ah, les effets. Oh putain de bordel de merde. Ah oui, je sais pourquoi. Eh oui. Je sais pourquoi. Ok. Bon, alors après, là, c'est une erreur de ma part. Donc, on va aller dans New Free, on va aller dans les effets. Par exemple, ici. Non. Là. On a du XML. Ok. Mode desk. Un endroit. C'est pas ici que. On va faire ça. Copier. Alors, dans Effect, ici. On va faire ça. On va se mettre là. On va faire ça. Et on va faire coller. On enregistre. Donc, premier XML. Motion passe effect. On se met là. On fait ça, on rajoute New Fruit, on enregistre. Alors, ça c'est pour ça. Ok. Donc, des effets, on a réglé. Fill plein, est-ce qu'on a des XML un peu chelou? Non.
foliage non plus normalement. On a le store. Va pas chercher des images. Bon, j'ai pas l'impression. Bon. Donc là, normalement, on a déjà réglé un des problèmes. On va aller voir les erreurs qu'on a. Coller. On remplace. Et on relance. Et on va voir. J'ai sûrement fait au moins 3 heures de vidéo pour rien et j'ai les boules. Démarrer. Échappe. Merde. Alors. Les erreurs. Oui, voilà, c'est ça que je me doutais bien qu'il allait y avoir un problème là-dessus. Warning. Plaçable utile, l'autre plaçable, l'autre a des sorties item, TMX et mode filmé, mode avec les zones de sang. Ah bah voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Alors ce qu'on va faire. H, les map effect. Copier. Voilà. Coller. On va redémarrer de là. On va faire suivant. Donc on a le premier ici. On le fait remplacer. On a le suivant ici. Il faut qu'il aille chercher ici, ici. Ici.
enregistre. Ça, c'est le cutter Fruit Effect. Voilà, Map Effect. On fait remplacer. Remplacer. On sauvegarde. Et le cutter machin. Voilà, on commence de là. Remplacer. Ok, on a tout remplacé. On enregistre. On copie. On colle. Remplacer les fichiers. Et on va voir après s'il en manque encore. Non, c'est pas ça, putain. Celle-là. Continuer. Démarrer. Allez. On ouvre la console. Donc. Ok, le fil pleine distance. Alors. J'ai quelque chose. J'ai un chopper effect. Oui. Remplacer. Enregistrer. Petite note place plus plus. Je vérifie quelque chose. Non, c'est parfait. Ok. Donc là, pas d'autre qui XML. Donc, cutter, on a fait. Oups, c'est particules. Lavender, oignon, pick-up. Donc, dans pick-up. Effect. Remplacer tout. Enregistrer. Red cabbage. Tender. Map effect, donc remplacer tout, on enregistre. Une load. La particule. Pas d'autre XML. Ok, non. Enregistrer. Ok. Copier. On remplace. Bon, ça, vous aurez ce type de problème si vous avez rajouté un dossier New Fruit. Hein. Si vous n'avez pas rajouté de dossier New Fruit, vous n'aurez aucun problème. Donc, c'est bon, allez, on y va, on lance. Toutes ces erreurs-là, vous ne les retrouverez pas.
déjà, vous voyez, beaucoup moins de rouge. On a toujours, pour le red cabbage diffuse, on a toujours ce problème. Voilà. D'hiver. Excusez-moi, c'est dans d'hiver. Ramasser les carottes, les oignons. On peut ramasser carottes et oignons. Les red cabbage et les bidules. Ça, c'est pour la lavande. La lavande. Alors voilà, on se retrouve donc en jeu. J'ai replacé différentes cultures. J'ai pas mis. Je n'ai pas mis donc la luzerne parce que elle fait chuter les FPS. J'ai pas mis non plus le trèfle parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas en direct cutter. Je ferai une quatrième vidéo pour régler tous ces problèmes-là parce que on doit être à l'ordre de 45 minutes de vidéo là, pratiquement encore. Donc en fait je vais faire une quatrième vidéo qui va sortir, qui sortira peut-être pas dans le week-end, mais où je vais régler tous les, essayer de régler un maximum de problèmes. Vous allez voir déjà, on va ouvrir les logs. On va repartir parce que je les ai déjà regardés. J'ai deux trois trucs, je sais pas ce que c'est. Allez, descend. Voilà, on recommence à partir de là. Donc ça, c'est donc un problème avec le Red Cabbage Distance Diffuse. À voir. Ensuite, on va remonter, on va remonter, on va remonter. Ça, je vais vous le régler en direct. Vous allez voir. Donc, je suis allé sur le mode hub, sur le mode hub US. J'ai téléchargé, je l'ai retrouvé là-bas, le mode. Donc, parce qu'en fait, le mec, il l'a mis sur Kid Mode. Il a fait vraiment du travail de sagouin. Donc, ça, je l'ai rangé dans multifruits. J'ai créé un truc multifruits. Ah, bon sang de bon rat, multifruits. Non, je l'ai mis dans mode. Je l'ai mis ici, mode, et c'est, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est le mode, je pense, allemand, que l'on peut trouver sur le mode, sur le mode hub US. Donc, voilà, on va ouvrir ça. Vous voyez déjà, le mec, il avait fait du travail plutôt propre. Enfin, l'original, hein. Vous voyez, c'est en allemand. Je pense que ça doit être de l'allemand. Vous voyez, il avait fait du travail un tout petit peu plus propre. Et surtout, vous avez bien la nouvelle catégorie pour le cabbage véhicule. Donc, hop, on va le prendre. On va faire copier. Dans le mode desk, on fait une entrée, on fait coller, on enregistre. Donc vous voyez, par contre, ça parle toujours pas de gérer le converteur, de script LUA ajouté pour avoir les nouvelles catégories. Donc bon, c'est quand même succinct comme comme tuto, ça, hein. Il n'y a rien. De toute façon, si on regarde les commentaires qu'il y a dessus, c'est ça marche pas, il y a des problèmes, ceci, cela. Voilà. Donc, le but de la quatrième vidéo, ça va être d'essayer de le mettre au propre, ce mode. Voilà, je vais le mettre au propre. Et je vais vous expliquer comment le mettre vraiment au propre. Voilà.
Parce que donc il a fallu qu'on rajoute les godets, on a rajouté les sons sur les céréales, donc l'histoire de LUA pour les titres. Donc on a fait, il a fallu, je sais plus tout, voilà pour le mettre plutôt propre, tout ce qu'il a fallu faire. Donc là c'est bon, ok, c'est, oh putain, bon il y aura des coupures, hein. Il y a un truc, j'ai voulu aller trop vite encore. Ma desk. Oui, bah voilà, c'est. Putain, je suis con. Ah oui, forcément. Donc, dans mon mode desk, j'ai rajouté ça. Donc, il faut que je rajoute map de store. Voilà, on va le piquer ici, copier dans le mode desk, hop. Ah, tac, 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 tac. En fait, oui, mais c'est normal qu'il fasse des erreurs comme ça. On met coller. On met un. Voilà. Map new fruit, ta ta ta. Bah ici c'est pareil pour la brand, pour la marque. Non, non. C'est pour le store, donc c'est bon. Il n'y a pas de. C'est pas map, new fruit, ta ta ta. Oui, j'avais même pas vu ça. Ok, maintenant on peut enregistrer. Là, ce coup-ci, on est bon. Copier. Hop, on va coller. Alors, je pourrais très bien le faire directement. Travailler mon dossier directement dans le dossier mode, mais je préfère le faire après et faire un copier-coller parce que pour éviter les conneries, penser à sauvegarder de temps en temps, à mettre en archive et tout, c'est très important. Voilà donc carrière là. Merde, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Hop, c'est ça. Désélectionner tout. On va garder. J'ai dit le pack roulant. Voilà. Et on démarre. Donc avec toutes les corrections précédentes. Voilà. Échappe. On va regarder vite fait le log. Normalement, là, on devrait avoir plus que le red cabbage. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon. Démarque, ça passe. Tac, 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 tac. Là, je sais pas ce que c'est que ce warning. Je sais pas. Je crois qu'il y a un point de vente qui doit. C'est peut-être lui. Et le field level warning, c'est peut-être le point de vente intégré. On regardera ça plus tard de ce qui est disponible. Donc là, on va aller là-dedans. Donc dans les véhicules, vous voyez, on a de nouveau. De nouveau, mince, de nouveau, comment est-ce qu'il s'appelle ça? Je sais plus. Enfin bon, vous rentrez dedans ici. Donc vous avez la Tiger pour donc les carottes, les oignons, donc la Panther 2 pour la carotte et les oignons. Vous avez les deux véhicules pour la. Mince, oh là 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 là, c'est dur là ce matin. Pour la lavande. Tac, mince, on va faire l'autre. Et donc vous avez les véhicules en direct pour les cabbage. Red et normal. Ok, vous allez dans les outils, vous avez un nouveau menu avec la barre de coupe pour les carottes. Et une pour les oignons. Bon, donc, on va acheter les oignons. Je crois que c'est les oignons. Putain, c'est quoi ce que j'ai acheté? Non, carottes. On achète pour les carottes. Ok.
Ok. On va prendre celle-là, par exemple. Acheter. Oui. Voilà, les carottes sont juste derrière. Allez, on va faire les essais. J'ai oublié d'acheter le terrain. Hop, acheter. Oui. Allez, c'est parti. La luzerne parce qu'elle elle fait chuter les FPS et le trèfle parce qu'il y a un problème en direct cutter, ça marche pas. Allez, on va acheter un tracteur. Hop, un petit T8 acheté. Hop, une remorque. Hop, on va prendre le pack roulant que j'ai laissé. Voilà, on prend la plus grosse. Voilà. Allez, attelle. Putain, je faisais mal hein, dès le matin là, c'est dur. Allez, hop. Ok, on va passer ça aussi. Hop. Démarrage auto, non. Ça marche. On va prendre un véhicule pour reprendre. On va prendre. Il faut un truc assez. Voilà, on va prendre un gros machin comme ça. On va le louer parce qu'on va plus avoir d'argent. Ok, retour. On va prendre les godets. Les godets pour charges avant. Mais c'est pas chargeuse avant, ça, c'est chargeuse sur pneu. Oui, c'est ça, pardon. Allez, on prend un gros godet acheté. Oui, ok. La coupe des oignons.
acheter, oui. Alors, autre problème là-dedans, c'est la taille des légumes, la taille au sol des oignons et des carottes. C'est des carottes pour lapin géant. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, allez, c'est parti, c'est les oignons. Ok, les oignons c'est ok. On va aller regarder un petit peu les productions, où est-ce que c'en est, parce que vous allez voir qu'il y a d'autres problèmes. Je l'ai dans le Giant Editor, je les ai tous implantés en prêt à récolter. Comme vous pouvez voir, en fait, en pré, il y a le houblon. Ça c'est le houblon là qui est en violet qui... Si on le met en prêt à récolter, il est mis en récolté. Donc ça, c'est une autre erreur. Et ensuite, les autres sont en prêt à récolter. Donc on va avancer le temps. Et on va les faire mettre en à récolter. J'ai arrêté les saisons. Bon, bien sûr. Alors, vous avez vu, j'ai pas arrêté les saisons. Donc ça veut dire que les cultures, là, sont pas prises en charge par le saison. On va arrêter quand même la croissance saisonnière au cas où ça foutrait la merde. Donc il faut faire les réglages pour l'intégrer dans la saison, pour intégrer tout le multifruit dans la saison. C'est pour ça que je vais faire dans la semaine, je vais faire une vidéo où je vais essayer de régler ces problèmes là si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé quand même de le mettre malgré tous les défauts qu'il y a. Voilà, parce que là on peut ouvrir. Ah, je suis en accéléré, voilà. Hein, c'est quoi? Ça aussi, ça fait chuter un peu les FPS. Marron, ça. Non, c'est... Ouais. Ah ouais, la lavande aussi fait chuter, mais elle faisait pas. Échappe. Alors, voyons voir où est-ce qu'on en est. Toujours des oignons et les carottes qui sont... Ah, le jeu a crash. Oh. Bon bah voilà, le jeu a crash. Le jeu a crash, vous voyez, sans mode. J'ai pas regardé les erreurs qu'il pouvait y avoir. Bon, écoutez, je vous laisse sur l'ancienne partie de vidéo. En fait, du coup, donc on va reprendre avec l'ancienne partie de vidéo, avec les derniers tests et la conclusion de ce que je pense de ce mode. Sachant que là, en plus, le jeu a crash. Donc, il y aura une quatrième vidéo où je vais essayer de corriger toutes les erreurs et voir si ça vaut vraiment, vraiment le coup de l'installer. Peut-être de mettre que les carottes et les oignons. À voir. Allez. On va vite fait prendre une coupe. Tac, tac, tac. Ok. Allez, on va acheter ça. On va prendre un véhicule. Une moise batte. On va prendre un gros bordel. Peut-être plus assez d'argent. On va louer, c'est pas grave.
Tiens, allez, hop. On la loue.
capture directe. Ça doit pas couper. Ok. Voilà. Hop, on va descendre de ça. On va faire un petit bilan. On va faire un petit bilan de tout ça. C'est loin d'être parfait. J'hésite encore à sortir les vidéos. C'est très long. C'est très long pour se rendre compte qu'à la fin, ben, il n'y a pas grand-chose. Enfin, les choses intéressantes, il y a la lavande qui a l'air de marcher. Encore, faudra aller au bout. Vous imaginez le champ qu'il faut faire pour. Voilà, pour l'instant, j'ai pas trop envie de vérifier. Les carottes, les oignons, ça marche. Le pavot, c'est sûr, ça marche. Le seigle doit marcher. Le houblon, il est prêt à récolter là, le houblon. Je sais plus. Je crois pas. Non. Le houblon, il n'est pas prêt à récolter encore. Ah non, il me marque comme quoi il est déjà récolté, le houblon. Alors, est-ce que c'est le mode saison qui a fait merder ça au début? Je sais pas trop. Ah oui, tiens, un truc que j'ai pas pensé à regarder. C'est là, c'est où? Je sais plus. Ça doit être là-dedans. Donc les points de vente, hein, il faut les créer, rajouter des fils types, hein, bien sûr, pour pouvoir les voir. Mais putain, c'est dans quoi? Bah, je sais plus. Je sais pas s'il y a pour. Ah bah oui, mais il faut activer le mode saison pour. Suis-je bête? Autrement, ça ne l'affiche pas. On va faire oui. Et donc là, c'est dans quoi? C'est là-dedans. Voilà. C'est là. Alors là, actuellement. Pour moi, il n'y a pas de compatibilité avec le mode saison. Bon, je vais peut-être pas faire 3 vidéos. Oh, si, 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 parce que je vais quand même sortir les 3 vidéos. Et donc je vais faire un bilan, voilà, je vais faire un bilan en... Donc voilà, avant de, on va faire un bilan, on va faire un bilan. Là actuellement c'est dans le mode saison, ça n'apparaît pas. Vous êtes en configuration, en fait là vraiment ces 3 vidéos, c'est comme quand vous allez le faire. C'est-à-dire avec les erreurs que vous allez rencontrer, toutes ces choses-là. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de procéder comme ça. Putain, la vache. Le mode saison, il ne les gère pas. Ils ne sont pas gérés avec le mode saison. C'est-à-dire que... ça veut dire qu'on n'est pas... Même si on active le mode saison, on peut les récolter là. Fais voir. Tac. Prêt pour la récolte, on va voir. Là, je suis sur les oignons. Ouais. Ça, c'est les oignons. Ouais, sur deux. Ah, putain, c'est quoi? Thank you.
là j'ai enclenché une autre saison normalement. Donc oui, ça reste un peu fini. Voilà, donc vous avez toute la trame à sortir de là-dedans. Avec ces trois vidéos, vous avez toute la trame. Vous avez vraiment toute la trame pour installer du multifree. Sachant que, ouais, la luzerne, faut pas l'utiliser. Elle fait chuter les FPS, c'est terrible. Le houblon, on ne sait pas. Pourtant, je l'avais mis en prêt à récolter. Il est déjà en récolté. Il a été récolté d'où? J'en sais rien. Il n'a pas été récolté. On a vu quand on a moissonné le pavot, c'était un peu dégueu. Ça faisait pas propre. Le pavot ne faisait pas propre. Les choux, on les a pas récoltés. On aurait pu. Voilà. Les choux, je trouve que c'est moche. Ils sont là-bas. On va aller les voir. Les carottes, ouais, c'est joli. Les carottes, elles sont un peu grosses quand même. Les carottes, si on prend. C'est des carottes. C'est des grosses carottes. C'est des putains de grosses carottes quand même. Ouais, les choux, ça. Bah, je sais pas. Ouais, bon. Ça vous doit. Bon, les choux, ça doit marcher. Hein. Voilà. C'est à vous de voir. Je vous déconseille. Ah oui, puis pour moi, le clover marche pas. Alors, est-ce que c'est parce que encore dans les fruits types, on a oublié de mettre quelque chose. Je pense qu'il y a un truc. Il faudrait que je revérifie avec le 19, savoir comment est-ce qu'ils sont mis exactement dedans. Je vous le déconseille, franchement, là, le fruit type dans cette configuration-là, je vous déconseille de l'installer. Parce que, en fait, bah, la luzerne, vous ne l'utilisez pas. Elle est pas utilisable. C'est pas utilisable. Il y a une erreur sur le chou rouge. Il manque un truc dans le chou rouge. Là, à l'heure actuelle, il n'est pas utilisable. Voilà, et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvé sur King Mode, je pense qu'il a été retiré. Mais voilà, c'est pas ça, ce que vous avez trouvé, ce que j'ai trouvé sur King Mode, quand on m'a dit oh, le multifruit est arrivé. Bon, ben c'est pas ça. C'est pas ça, trop d'erreurs. Trop d'erreurs, en plus là, bon, le houblon qui est censé être. Récolté. Il est là, il est mis en récolté. Voilà. Bon, écoutez, ça va faire au moins 3 heures de vidéo, tout ça, hein, mis bout à bout. Je vais faire les montages. Je vais poster les vidéos. Voilà. Je vais les faire pour que vous voyez, pour tous ceux qui ont le multifruit, qui n'ont pas réussi à le faire marcher. Rien que le coût du map GRLE, enfin du converteur, il fallait le savoir. Moi je le savais parce que j'avais eu le problème sur le 19 pour pouvoir l'installer. C'est indiqué nulle part dans le petit truc. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû essayer de l'installer, ont bloqué, ont même pas pu mettre les cultures sur la map dans le Giant. Il y en a beaucoup qui ont dû se bloquer ici, puis se faire oh! Voilà. Voilà. Donc suivez ce tuto. Si vous avez suivi ce tuto, ben voilà. Vous avez votre propre avis. Pour tous ceux qui l'ont téléchargé. Forgez-vous votre avis. Moi personnellement, je mettrai les carottes, les carottes, les oignons,
La lavande, j'en ai rien à péter. Pour l'instant, pour ma map, c'est pas intéressant. Je suis pas dans le secteur de la lavande. Dommage pour la luzerne, parce que j'aurais bien aimé remettre les granules de luzerne. Mais la luzerne, elle fait chuter à 30 FPS, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, on peut pas mettre une culture et faire chuter une culture fasse chuter comme ça là. Non, c'est pas possible. Donc rien que ça, voilà. Après, je vais étudier la chose un peu plus près pour vraiment peut-être ne pas mettre toutes les cultures, mais peut-être ajouter que les carottes. Des carottes de lapin géant. Ah, putain, ils sont passés à Tchernobyl, les lapins là. Ah, voilà. Des carottes, je veux dire, c'est des carottes de Tchernobyl, ça. Putain, la vache. Par rapport au perso, hein, c'est. Ouais, c'est de la sacrée carotte. Hein. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, bah, si vous avez eu la patience de suivre ce tuto, ben, je vous en remercie parce que je dois vous avouer qu'à un moment j'étais tellement dépité. Je me doutais avant de démarrer ce tuto qu'il allait y avoir plein de problèmes. Vous avez vu les problèmes. Voilà. Et je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un like quand même, s'il vous plaît. Parce que j'ai galéré pendant au moins 4 heures à faire ça. Pour pas grand chose derrière, j'ai l'impression. Mais au moins comme ça, maintenant vous savez les étapes qu'il y a pour installer une nouvelle culture. Vous voyez comment ça se passe. C'est loin d'être facile. Je reviendrai vers vous quand le vrai multifruit TP, quand le vrai fruit TP va arriver. Quand la team j'ai perdu le nom, Altef4. On va sortir de là-dedans. On va aller sur Face de Book. On va aller sur Face de Book. Je vais vous montrer ça. Face de Book. Ok. Groupe. La TMP. Voilà. Voilà. Quand la TMP va avoir ajouté le vrai fruit TP. Voilà, on va aller sur. Voilà, vous voyez. Donc là, ça va être autre chose. Ça va être du sérieux, les mecs. Donc quand eux vont avoir installé vont avoir publié le vrai fruit TP. Voilà, j'ai hâte, je referai un tuto où on va vraiment installer pas à pas sur notre map le fruit TP. Voilà. Allez sur cette page de TMP. Franchement, allez liker pour tous ceux qui ont envie de voir le TP arriver sur FS22. Allez les motiver. Voilà. Et ainsi BZDH Modding. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.